faisait la Société d'encouragement à l'époque, c'est de repérer les innovations et de les faire voyager dans le monde entier en échange des mêmes informations. Bon, et c'est un peu l'idée de cette cérémonie, rendre hommage à Chaptal, rendre hommage à tous les innovateurs audacieux. D'abord, je suis très heureux de remettre ce chaptal du Comité des arts mécaniques à Let's Gain. Cet ancrage dans les territoires, ces transmissions familiales et la solidité de ce groupe qui fait bientôt 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a près de 2000 employés. Le génie, c'est le talent des équipes qui construisent des modèles, qui imaginent des systèmes, etc. Et ce qu'ils font, parce que dans l'industrie, le métier noble, c'est l'exécution de la stratégie aussi. Et c'est intéressant de voir à la fois cette noblesse de penser des modèles et des systèmes et ceux qui ont la capacité de les mettre en œuvre. Et c'est ça qui est intéressant. Pour nous, c'est vraiment un patron exemplaire et on est tout à fait fiers de vous remettre ce prix aujourd'hui. Évidemment, et c'est notre mission fière d'aider à soigner des centaines de millions de patients dans le monde. On est fiers aussi d'avoir créé des centaines d'emplois, en particulier sur le territoire français. Et on est fiers aussi, c'est un point en tout cas important pour l'équipe qui m'accompagne, d'aider à renforcer la souveraineté de notre pays sur ces métiers particuliers. Donc votre engagement et vos succès industriels ont amené le Comité des arts physiques à vous proposer un chaptal. Je voudrais remercier la Société d'encouragement et aussi son Comité des arts physiques. Je voudrais aussi remercier mon père, c'est lui qui a fait une grosse partie du boulot. Moi j'ai rejoint l'entreprise il y a une vingtaine d'années, je la dirige depuis une quinzaine d'années, et c'est vrai que le groupe a beaucoup évolué. Au départ, beaucoup centré dans l'automobile, un métier très exigeant, je l'ai fait évoluer en y apportant plus d'innovation, plus de technologie. Aujourd'hui, le groupe a déposé environ 350 brevets, ce qui fait de nous une des ETI qui dispose du portefeuille de brevets un des plus importants. Je suis très fier de lui remettre ce prix parce qu'en plus, il a fait ça tout seul. 24 ans, c'est la première éolienne que tu as construite. 510 éoliennes aujourd'hui qui tournent. C'est toujours une histoire, des belles rencontres, les histoires des belles personnes qu'on connaît et tous qui sont la même passion, être convaincu de faire quelque chose d'utile, convaincu de la nécessité de produire une énergie propre, inépuisable. Ça, c'est quelque chose qui réunit tous dans notre entreprise, mais aussi tous dans la profession. J'adore notre profession parce qu'on a des gens qui cherchent de la sens. Des valeurs sociales, des valeurs environnementales. Et tout ça dans l'humilité, dans la discrétion. Donc nous avons 170 ans cette année. C'est les 50 ans de la levure qu'on appelle la levure sèche. C'est ça. Et ça a révolutionné le monde de la levure. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est présent dans 170 pays dans le monde, qu'on a 50 usines de levure celle qui fait de la levure sèche, mais on fait aussi de la levure fraîche. Donc je suis très honoré de recevoir ce prix. Je le reçois avec beaucoup d'humilité et au nom de l'entreprise, de ses cadres et employés et de tous mes prédécesseurs qui ont porté l'entreprise là où elle est aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça venait naturellement pour le comité tourisme que j'ai l'honneur de présider que de mettre en avant une entreprise de territoire. Il est important de mettre en avant nos savoir-faire et nos terrains. Nous sommes une entreprise qui a 120 ans aujourd'hui, donc je représente la quatrième génération et je suis très fier d'avoir aujourd'hui avec moi ma femme et deux de mes enfants, dont le projet est également de reprendre ce flambeau, de construire un projet familial pour que, à trois enfants, ils continuent, car ils sont tout autant que moi passionnés par les produits que nous fabriquons.
êtes un entrepreneur dans l'âme, comme nous les aimons ici à l'Hôtel de l'Industrie. MediaOne est devenu en quelques années le leader européen de la production audiovisuelle indépendante avec plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Une immense réussite avec, on l'a vu, 70 labels de production dans 11 pays, donc en plus une entreprise européenne de premier plan. Vous encouragez les bâtisseurs de l'industrie de demain, on peut encore en créer. Moi, je suis parti de nulle part et je ne cesse d'essayer de transmettre aujourd'hui à pas mal de jeunes qui viennent nous voir qu'on peut y arriver, les encourager à entreprendre parce qu'il n'y a rien de plus important et que la France peut encore aujourd'hui avoir des histoires exceptionnelles. Patrick Jouin et Sanjit Mankou donc, sont associés depuis maintenant 17 ans, essentiellement à l'international, beaucoup en France tout de même, mais qui donc exportent le savoir-faire français et la qualité française. Ça, c'est peut-être un élément très important. Les questions se posaient très vite, qu'on est en train de travailler après un an. Où est-ce qu'on voudrait mettre notre agence? Ici, vous avez une culture de pousser les limites, d'innover, de toujours aller plus loin que tous les voisins pour chercher le sublime. Et c'est ça qui est aussi les choses qu'on essaie à faire chaque journée. C'est un honneur pour moi d'être ici avec toi et de passer le relais, si je puis dire, avec ce grand chaptal. Je pense que chacun sait que ce que tu as fait d'Assosystème est probablement une des plus extraordinaires aventures de l'industrie française, partie en 1981 d'un élément qui devait contribuer à améliorer la conception des avions. C'est devenu aujourd'hui un des plus grands pôles du logiciel mondial, évidemment impliqué dans toutes les industries, je crois pratiquement toutes. Alors, tu es un immense personnage de l'industrie, mais en plus, tu l'es probablement ce qui, dans mon esprit, est un exemple même de ce qu'on appelle un visionnaire. D'abord, bonsoir à vous tous. Et puis d'abord, félicitations à tous les entrepreneurs et les histoires que nous avons pu voir ce soir. C'est un formidable espoir pour notre pays. Et je trouve que l'industrie est un élément essentiel d'une civilisation. Nous sommes à ce moment critique au XXIe siècle où la renaissance de toutes les industries va renaître de ce nouveau monde additif du réel et du virtuel et que les cartes sont nouvelles et permettent de redéfinir la santé, la nutrition, la mobilité, l'énergie et que ceci se fera par cette conjonction que l'on voit apparaître. Moi, j'y suis là un petit peu par accident. J'ai essayé de faire rêver des équipes qui ont rêvé avec moi. Ces équipes sont extraordinaires, comme tu l'as dit. Je les admire tous les jours. Et j'ai découvert une chose sur le plan humain qui est étonnant. Faire rêver, ça vaut la peine. Et le génie trouve des solutions à des problèmes pour lesquels nous n'avions pas absolument aucune idée sur la manière dont nous allions les résoudre. Et ce voyage est certainement le plus beau dans une vie professionnelle. Merci à vous.